Si tu cherches les combos de skins les plus tryhard ou les combos de joueurs pro, t'es tombé sur la bonne vidéo. Wesh mon gars, bienvenue à toi sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo combo de skins. Comme tu l'auras vu au titre de la vidéo, 20 combos tryhard. Mais avant ça, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. On est bientôt 100 000 abonnés, blablabla. Vous avez l'habitude. Code créateur Penta, P-E-N-T-A-H en majuscule ou minuscule. Concernant les combos de skins, les gars, j'ai pris des skins qui étaient sortis récemment en boutique et 2-3 skins du poste de combat car j'avais débloqué de nouvelles variantes. Et on m'a demandé de faire des combos avec les variantes du skin du poste de combat. Donc, les gars, je vous ai régalé dans cette vidéo. N'hésite pas à liker, à mettre plein de commentaires, les gars, si vous voulez booster le référencement. Bref, les gars, je vous propose qu'on attaque directement avec le premier combo de skin qui est le skin Menace Macabre avec le sac à dos thorax spectral et la pioche H Leviathan. Personnellement les gars, j'adore ce skin car de base j'aime bien les footballeuses, en plus en version zombie, version Halloween, moi je trouve que ça va trop bien avec le sac à dos, etc. Pour le deuxième combo, on se retrouve avec le skin Recon Expert avec le sac à dos fleurette ainsi que la pioche Bat de Harley. Ce skin là les gars, comme vous le savez déjà, je le kiffe que ce soit la première ou la deuxième variante. En plus de ça, beaucoup de joueurs pro jouent avec et le skin est réellement tryhard. Pour le troisième combo, on se retrouve avec un skin qui m'a beaucoup été demandé dans les commentaires, c'est le skin Jade la Rouge avec le sac à dos de Travis et la pioche sucre d'orge. Donc pour ceux qui me posent la question si la pioche sucre d'orge va ressortir, bien sûr qu'elle va ressortir les gars, soyez patients, dans un mois elle sera dans la boutique. En plus de ça, ce skin les gars, il est vraiment pas cher, il coûte 800 V-Bucks, donc c'est parfait pour faire des petits combos tryhard avec. Quatrième combo, on se retrouve avec le skin sorcière surfeuse avec le sac à dos L fragmenté ainsi que la pioche baguette étoilée. Ce skin là qui fait très tryhard, énormément de joueurs pro le jouent comme Raisonneil, Veno, Tyson, plein de français, etc. Il est trop tryhard et il est trop stylé, en vrai de vrai on va pas se mentir. Moi personnellement je préfère la variante de base, mais celle en rouge aussi avec licorne est plutôt stylée. Cinquième combo de skin, on se retrouve avec un skin du poste de combat, donc c'est le skin Charlotte, donc j'ai mis la variante qui était un petit peu verte avec le sac à dos du trèfle et la pioche Minty. Donc pour ceux qui n'ont pas la Minty, vous pouvez mettre la pioche bois 1 ou la pelle à neige, ça va déjà très bien ensemble. Moi personnellement vu que je possède la Minty, j'ai mis la Minty, mais pour ceux qui n'ont pas, bah voilà. Donc encore une fois, ce skin les gars, il est très tryhard, en plus de ça, il y a beaucoup de variantes encore une fois, donc vous pouvez faire tellement de combos. Sixième combo les gars, on se retrouve avec un skin de League of Legends qui est sorti très récemment en boutique, donc c'est le skin Jinx d'Arcade avec le sac à dos thorax spectral et la pioche H Leviathan. Moi personnellement les gars, je joue pas trop à League of Legends, mais j'ai trop aimé qu'ils mettent ce skin là. Moi je trouve qu'il fait vraiment tryhard et le skin est vraiment fin, donc il méritait d'être dans ce classement. Sixième combo de skin, on se retrouve avec le skin guerrière ondulée sans sac à dos et avec la pioche baguette étoilée. Donc j'ai pas mis de sac à dos les gars, car la pioche et le skin c'est exactement les mêmes couleurs. J'ai mis la variante pour que ce soit exactement pareil pour faire le meilleur combo possible. Ce skin les gars, il est vraiment tryhard, je le croise très souvent en game. Et big up à l'abonné Anton qui me l'a offert. Septième combo, on se retrouve avec le skin cristal plongeuse avec le sac à dos bande stellaire et la pioche baguette étoilée. Donc pour ceux qui n'aiment pas trop le sac à dos, bah vous pouvez mettre sans le sac à dos bien sûr. Après les gars, encore une fois c'est un avis personnel, mais le sac à dos les gars, croyez pas, il fait un petit peu tryhard et il se marie très bien avec le skin. Neuvième combo, on se retrouve encore une fois avec un skin du pass de combat, donc c'est le skin KOR avec le sac à dos arme d'appoint et la pioche pied de biche. Donc ce sac à dos je le croise très rarement en vrai de vrai, mais moi les gars je le trouve vraiment stylé. Et puis c'est exactement les mêmes couleurs du skin, donc je me suis dit que vous allez bien kiffer ce sac à dos. Onzième combo de skin, on se retrouve avec le skin de Benji Fishy, c'est le skin sirène avec comme sac à dos le katana de Snake Eyes et la pioche griffe cramponneuse, donc la pioche de Catwoman. Personnellement les gars, j'adore ce combo de skin. Dites-moi dans les commentaires quel est votre combo préféré, je mettrai des petits cœurs à tout le monde. Douzième combo de skin, on se retrouve avec un skin à 800 V-Bucks, c'est le skin Birdie, donc la deuxième variante avec le sac à dos thorax spectral et la pioche baguette étoilée. Personnellement les gars, j'adore ce skin car il fait vraiment tryhard, il est pas cher et on peut faire tellement de combos avec, donc c'était obligé que j'allais le citer dans la vidéo. 13ème combo de skin, on se retrouve avec le skin mécano avec comme sac à dos bouclier rouge et la pioche omnisciente. Donc j'ai choisi la deuxième variante car j'avais déjà fait beaucoup de combos de skin avec la première variante. Ce skin là encore une fois, beaucoup de joueurs pro le jouent avec, comme Clix par exemple. Niveau francophone je sais pas trop les gars, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que ce skin reste tryhard. 14ème combo de skin les gars, c'est le skin Shiguza, donc c'était un pack manga avec le sac à dos trèfle et la pioche baguette étoilée. Personnellement j'ai joué beaucoup ce skin quand il venait de sortir en boutique, mais maintenant je le joue plus trop trop, mais il reste quand même tryhard. 14ème combo de skin, on se retrouve avec le skin soldat laineux polaire avec le sac à dos L fragmenté ainsi que la pioche canne cryogène. Donc ce skin qui est pas ressorti depuis maintenant un an, donc je pense qu'il va ressortir cet hiver, c'est même sûr les gars. Personnellement je le joue très tryhard et en termes de joueurs pro je sais qu'il y a Podasai ou X-Wiz qui le joue très souvent. Et en vrai c'est compréhensible car le skin je le trouve trop stylé et tryhard. 15ème combo de skin les gars, on se retrouve avec le skin de KZDR, donc c'est le skin Kuno sans sac à dos, mais j'ai mis la pioche pied de biche, donc j'ai pas mis de sac à dos parce que j'avais l'impression vraiment que ça allait tuer le combo de skin.
Pour moi, comme ça, les gars, il reste très tryhard. Donc, si je me trompe pas, il coûte 1500 V-Bucks. Donc, j'ai voulu le mettre aussi dans la vidéo. Car ce skin-là, les gars, personnellement, je le kiffe de fou. 16ème combo de skin, les gars, je me sentais obligé de mettre une footballeuse. Donc, j'ai mis la prodige avec le maillot jaune ainsi que la pioche ovale d'or. Donc, c'était une pioche football en plus de ça. Donc, je trouve que le combo s'accorde trop bien. 17ème combo de skin, on se retrouve avec le skin de Bachi. Donc j'ai mis la deuxième variante en noir et rouge avec encore une fois le katana de Snake Eyes et la pioche sucre d'orge. 18ème combo de skin, on se retrouve avec un starter pack. Donc pour moi, à mes yeux, c'est le starter pack le plus joli qui a été sorti sur Fortnite. Donc c'est le skin Dizzy avec le sac à dos cap bannière et la pioche bois 1. Donc ce skin là les gars, personnellement je le trouve tellement sous-coté, je le crois jamais en game. Alors que en vrai pour le prix, le skin est vraiment incroyable et tryhard. 19ème combo de skin, on se retrouve avec le skin Tigresse, avec le sac à dos trèfle et la pioche pelle à neige. Donc ce combo de skin là, c'est celui de Tyson. Il a gagné 4 fois les FNCS ou 3 fois les FNCS avec ce combo là. Donc je me sentais vraiment obligé pour tous les tryhards qui voulaient un combo de skin de Tyson. Bah voilà les gars, je vous ai régalé. Avant qu'on passe au dernier combo les gars, n'hésitez pas à spammer les commentaires, genre bonne vidéo Penta, etc. Les gars, ça booste mon référencement et grâce à ça les gars, je peux faire vraiment plus de vues et atteindre le cap des 100 000 abonnés. Bref, assez parlé, pour le dernier combo de skin, on se retrouve avec le skin Hardy avec le bouclier rouge et la pioche omnisciente. Un combo de skin que je trouve incroyable personnellement. En plus de ça, le skin reste grave tryhard. Donc voilà les gars, j'espère que je vous ai régalé. N'hésitez pas à liker la vidéo, à partager à tes potes. Les gars, c'était Penta, je vous fais des bisous. Ciao.